Face aux difficultés que font face les parents, les élèves et les établissements scolaires de l'arrondissement de Kiyosi, les jeunes du département de la vallée du Ntem ne sont pas restés insensibles. Ils ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice. En matière d'éducation, plus de 210 tables bancs ont été offerts gratuitement à cette école primaire publique de l'arrondissement de Kiyosi. Dans la salle des fêtes de la mairie de Kiyosi, les meilleurs bacheliers de la session 2019 ont eu les bourses universitaires. Il fallait avoir la mention assez bien au baccalauréat. Et ces futurs étudiants ont reçu leur bourse. On voit aujourd'hui que ce que nous faisons n'est pas bon. Et ça nous pousse davantage à continuer à travailler et à mettre la dent dans ce travail. Parce que je suis fière de voir ma petite sœur avoir ce... Vraiment, je suis à bout. Je ne sais quoi dire. Les directeurs de 27 écoles primaires publiques de l'arrondissement de Kiyosi ont reçu les paquets minimum complets. En début de rentrée scolaire, nous avons un manque de matériel didactique dans nos écoles. Par exemple, la craie et les chemises. En attendant l'arrivée du paquet minimum de l'État, nous croyons que tout ira vraiment très bien. Et ce paquet a même des éléments qui peuvent tenir jusqu'à la fin de l'année. Question spéciale pour mon Ntoumou. Cette action des jeunes de la vallée du Ntem est une plus-value en matière d'éducation pour un développement participatif, car l'État ne peut pas tout faire. Nous n'encourageons pas seulement que les autochtones, vraiment une façon de montrer, de prouver que l'association Mon Ntoumou prône également le vivre ensemble. Et nous voulons remercier déjà Vision 4 qui n'aménage aucun effort dans ce sens. Mon Ntoumou fier de l'aide doit toujours œuvrer pour le bien des populations. Une initiative prise par les jeunes qui mérite d'être soutenue et encouragée. L'école publique